Et salut à tous, j'espère que vous allez. On se retrouve pour la petite liste, bien sûr. Donc, on va y aller tranquillement, comme d'habitude. Allez, on va foncer quelque part dans le tas. Essayer d'esquiver les pseudos qui ont potentiellement une grosse combativité. Puis, on va lancer sur la bonne chance à lui. Alors évidemment, je diminue le volume sonore, sinon vous allez entendre le son 4 fois. Peut-être pas ce que vous souhaitez, hein. Peut-être, hein, mais bon. Toujours est-il que. Mais. Ok, c'est bon, j'ai réussi à cliquer sur quelqu'un. Incroyable. Ok, on va mettre sur en auto. Bon, il était déjà en auto, on va le mettre en mode bonne chance à lui. Alors, on a le désavantage de la combativité. Ok, que se passe-t-il? Hop, attendez, est-ce que j'ai bien lu? Pourtant, oui. Ok. Peut-être mal lu. Ok, il a l'air d'être. Peut-être en automatique, vu comment il joue. Ok, je vais vérifier si Naruto avait dépensé l'esquive ou non. C'est quand même assez étonnant. Normalement, l'esquive a été dépensée. Attends, il a bien. Ouais, d'accord. 840K, bon. Là, il y a beaucoup de membres de la guilde. Du sable rouge, ce n'est pas un membre de la guilde. Si on se débrouille. Bon, habile. Habile, habile. Et donc, notre adversaire joue une composition extrêmement offensive avec un Naoto, un Kimimaro et un Kakashi. Avec un Kimimaro en P2. Et du coup, il appose une barrière qui augmente les dégâts des ultis des deux camps, dont celui de l'adversaire, et ça peut être complexe. Aristo, c'est quelqu'un de la guilde, donc évitons le misclick. Et là, il y a quelqu'un qui a 3. Une rage du niveau 3. Je ne sais pas trop sur qui j'ai cliqué. Ok. D'ailleurs, je peux laisser ça, on n'est pas en GG, s'il n'y a pas. Ça cache pas. De ninja ou autre. Bon, ah, une composition Kimimaro, Konan, Nagato. Ok, tout à fait étonnant. J'imagine qu'il essaye de servir de la barrière de Kimimaro pour lancer un ulti Konan dévastateur, mais. Est-ce qu'il peut seulement récupérer du chakra? Ah oui, il faut attendre que le Nagato, avec son attaque de base, aspire le chakra de l'adversaire. Okay, c'est un petit peu. C'est peut-être un petit peu optimiste. Mais pourquoi? Pourquoi pas, pourquoi? Je comprends l'idée. Alors là, on a affaire à une composition comment? J'ai du mal un peu à décrypter. Les ninjas. Est-ce que ce serait pas une Hinata? Oui, d'accord. Ça, c'est une composition de début de jeu, quand même. Alors, il me semble que cette Hinata, si je crois que quand elle est en première ligne, elle prend les provocations avec son ultime. Ok. Du coup, elle prend la place de votre P1 pour ne pas faire de dégâts, qui est un petit peu problématique. Peut-être, ouais, du coup, d'accord, ouais, je comprends l'idée, mais. Parce qu'avec un Naoto Hermite en tant que P1, ça va peut-être un peu mieux, mais. Ouais.
Il a été bait par la lecture de cette Hinata. De toute façon, maintenant, il y a tellement de carry qui ignorent les provocations, etc. Et Hinata était bien lorsque c'était uniquement les attaques standard mono-cible. La belle époque du main food, bien sûr. Ok, bon. L'adversaire, il jouait un Kakuzu ou un Gaara, et je sais pas trop quel ninja. J'imagine que le Gaara boostait et un Deidara. Oula. Oui. Ok. Ah, c'est très très bien ça. Une barrière qui boostait à peu près, enfin littéralement tous ces ninjas. Normalement, attends, je peux P1. Je sais pas si j'aurais pas de son côté une Kakuzu juste en face du Deidara pour essayer de le protéger un petit peu. De combativité a fait que bien sûr. Là, si je ne m'abuse, notre adversaire a 1K. Quand même beaucoup. Mais attendez, il n'a pas de. D'accord, hein, il n'a pas de percée. Qu'est-ce qui se passe? Attends, aurait-il 1 million? Quoi qu'il en soit, jouons. Ok, on va lancer notre ulti. J'ai la PA. Attends, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Ouais, ça, il y a bien un million. Ok, étonnant. Alors, le Naoto en face a esquivé. Pour empêcher qu'il auto-attaque, ce serait pas mal que. Je trouve le temps. J'avais pas pensé à ça. Pas grave. Pas grave, pas grave. Bien, c'est moult ultime. Ça peut nous donner pas mal de choses. Je pense qu'en termes de stats, ça P1, ça va être compliqué de. Va tomber. Oui. Quoique. Me suis emmêlé les pinceaux, je pense. J'aurais dû ulti au prochain tour, mais bon. Tant pis. Ok, on va lui imposer un petit peu de dégâts. Quoique ça va juste dépenser esquive, donc c'est ok. Il va pas dégoûter tout le monde. Ouais, et puis ça va être un affrontement de Naruto là. Comment ça se passe du niveau de sang là? Bon. Ils sont. Ouais. On va se cacher dans le petit A. J'ai glacé qui? Personne au heal, j'espère. Bon. C'est bien ça, il avait bien 1 million le collègue. Bon. Allez, percer des ninjas, ça change tout, hein. Pour ça, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est lorsque vous préparez vos ninjas, lors des événements, etc., avec le commerce de Maneki, pensez à avoir suffisamment de potions pratiques. Pour percer votre ninja. Parce que ça peut être très vite être problématique. Je vous conseille d'avoir à peu près une 150 150 non, je dis peut-être 50 agents de test, peut-être 300 protecteurs minimum. Et encore même avec ce chiffre, vous n'êtes même pas sûr d'avoir ce qu'il vous faut.
C'est quand même assez terrible. Ok, oh, notre adversaire en automatique pour lancer sa Tsunade tout de suite après après que qu'un de ses alliés soit mort, bien sûr. Donc, bon. Bon, prochain tour, on va. Ah, j'aurais dû prendre un truc de 3 tours histoire d'être plus rapide, mais bon. On va lancer Obito. Comme ça, on gagne le combat. Ok. Eh bien. Alors, essayons de cliquer dans le tas. Ouh. Oh, j'ai vu le pseudo de Mousti. Eh bien non, j'ai eu de la chance. À force de cliquer comme un énorme bourrin, je teste des choses, hein, bien sûr. Donc, 7 secondes. Allez. Essaye de composer avec les ninjas qu'il a. C'est un rôle de Seb. Le bon Naruto Six Pass, le bon Obito. Et qu'ils avaient en avant pour essayer de tanker, j'imagine que c'est un peu l'idée. Pourquoi pas en vérité. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup son Obito n'est pas en position 2. Forcément. Puisqu'il peut y avoir qu'une seule position 2 dans notre équipe. Et il s'est dit que laisser cette place à Kizame, ça pouvait être bien. Ce que je comprends. Oui, par contre. Par contre, l'attaque de base, du coup de poing sur. Sur le main, bon. Bon. C'est peut-être. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus opti. Encore s'il se dit, bon, j'y vais de manière offensive, pourquoi pas, hein. Et il aurait pu faire une tornade de Konoha ou. Le truc ou l'attaque qui tape en ligne horizontale comme ça. Comme ça, il aurait eu il aurait pu faire de belles choses. Avec une attaque standard beaucoup plus agressive que le 2 mètres d'un bouclier. Même si bon. J'imagine que si on souhaite jouer MMTR, c'est notamment pour profiter des boucliers, mais bon. Écoutez, pourquoi pas. Ok, donc on affronte à nouveau les mêmes adversaires. Donc évidemment, j'évite les potentielles mauvaises surprises. Je sens que ma souris va glisser et nous emmener dans des combats compliqués, mais bon, on y va quand même. Ok, donc là c'est la composition. J'ai pas trop le temps de faire ma liste. Je l'inscris, je me mets en mode auto et j'y vais au petit bonheur à la chance. Mode bonne chance à l'encontre. Je pense que c'est une bonne team pour faire ça. Peut-être pas la plus optimale. Je dis que peut-être qu'avec Naruto, il y a peut-être moyen de moyenner, mais bon. Pourquoi pas. J'aurais peut-être dû attaquer un clone. Les clones ont. Presque pas de résistance. Visiblement. C'était bon aussi sur le team Maro. Une excellente. Donc du coup sa team une excellente composition 3 et 3, mais il y a 2-3 ans, c'était vraiment une top équipe. Mais avec le changement du jeu, etc. Ce n'est plus le cas malheureusement. N'est plus le cas. C'est pour ça, si vous êtes nouveau ou quoi ou autre, notamment si vous êtes free to play, ça peut être un piège de prendre Hiruzen et Kimimaro d'Halloween. Puisque bon, c'est des ninjas notamment bons dans les compositions Blitz, dans le sens où. Il faut tuer autour 1 quoi, globalement.
C'est vrai que Kinao a des capacités de tank, etc. Mais le fait qu'il mette une barrière qui puisse augmenter énormément les dégâts de votre adversaire, ça peut être à double tranchant, quoi. Peut être sûr d'avoir un perrin qui a la première attaque, quoi, pour éviter de se faire surprendre. Pour potentiellement essayer d'empêcher l'adversaire de jouer suite à votre ultime. Empêcher l'adversaire d'ultime à son tour, bien sûr. Ok, donc on a dépensé l'esquive du Nanto, donc évidemment on lance Obito. Excellente proposition de la part de notre adversaire. Je pense que ça fait partie d'une des meilleures qu'on peut se faire en free to play, avec beaucoup d'attention sur les commerces de Manekineko, etc. Ok. Enfin, les deux supports sont vraiment très très bien. Et en tant que carry, ben, vous pouvez mettre un petit peu. Le Madara est pas mal avec cette combinaison de deux supports ou le Naoto tout simplement. Ok. J'ai pas de chakra. C'est pas de problème. Il y a lanceur du petit, donc limite ça nous convient. Ça nous vous conviendra limite, d'autant mieux si jamais il décide de lancer son Kakuzu finalement. Il n'a pas été décidé de le faire malheureusement. Ok. Et putain, d'ailleurs, ça a lancé beaucoup d'ultimes, ça nous a permis d'avoir moult auto-attaques. Plus de gains de ninjutsu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attention les dégâts tout de même. J'ai l'impression que ça a été sur mon Naruto, donc si ça va sur mon Naruto, en vérité, ça va, ça ira. Au global. Est-ce qu'on va pouvoir assister au jeu de maléfique du jeu de la valse des Kakuzu qui ressuscite les équipes de part et d'autre? Alors, étant donné qu'il y a le temps d'animation, je lance Obito pour essayer d'un peu cacher son ulti. Ça peut surprendre, donc du coup voilà. Il se peut arriver aussi que si jamais, des fois, vous avez possibilité d'ulti, donc vous mettez littéralement votre crâne sur la touche, et vu que le jeu calcule, etc. Et des fois, il peut calculer que bah, selon lui, vous êtes hors combat. Et même si vous appuyez comme un dératé, bien, ça peut vous bloquer alors que vous aurez eu la fenêtre pour utiliser votre ulti. Mais en fait, je pense que c'est pas clair. Mais j'imagine que vous voyez un peu. Ça vous est déjà arrivé le fait de vous lancer votre ultime, etc. En disant, ah, je vais regagner des points de vie, etc. Et que le jeu ne répond pas. Et au final, c'est l'attaque standard d'un ninja qui finit. Ouais. J'essaie de reprovoquer ce phénomène. Je ne pense pas avoir. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais bon. Essayons de faire ces choses. Ok, alors semaine terre, je pense que c'était une bonne cible. Alors, évidemment, on va y tenter d'esquiver Ishii Landry. Ouais. Alors, laisse-nous attention non plus. Ils ont pas l'air d'être actifs en bas. Miko. Miko, ce n'est pas quelqu'un de la guilde. On va éviter d'attaquer Chips, bien sûr. On va le mettre dans un tas comme ça. Hein. Alors. Ok, il essaye de me paralyser. Le contrôle a échoué. D'accord. D'accord. Combativité assez semblable, mine de rien. Ça me semble, hein, on a à peine 100K d'écart. Donc. Attends. Oui, c'est ça. Donc voilà. M. Attends. 50K. Bon.
Okay, je lui fais énormément de dégâts à son T1. Okay. Alors, du coup, ça va être compliqué. Elle me fait énormément de dégâts sur le sur mon Kakuzu, mais bon. Voilà. Ça fait la diff. Je dis elle, mais il me semble que c'est une fille, peut-être que non. Je crois que lui, c'est un costaud. J'ai fait une erreur. Ouais, attaquant, ça va être terrible. Oh, combativité, il a 24 plus que moi. Ok. Alors, attention, évidemment. On va lancer sur Tsunade. Pour commencer à l'affaiblir un petit peu. De toute façon, elle restait en vie, au moins je pourrais lancer 3 ultis pour elle, sur elle, donc ça va faire un peu plus de dégâts de commotion que si jamais j'essaye de toucher quelqu'un d'autre. Ok, il va lancer son. Oh, il a attendu le passif de Hiruka. Extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, extrêmement habile. Ok, bon, il fonce sur ma main de feu. Très honnêtement, je m'en ai cure. Kakuzu tombe en combat. De son côté, c'est le Hiruka. On va viser la commotion encore autour d'eux. C'est pas mal. De toute façon, si jamais on décide d'enlever le Naruto du terrain, ben quelque part ça n'aurait pas vraiment d'utilité parce que la Tsunade restera toujours là, donc quelque part il sera pas déclaré forfait parce qu'il n'y a pas de ninja pour se défendre. Ok, il a éliminé mes autres ninjas, mais bon. Je pense que ça va le faire, pas de problème. Voilà. On vise encore la commotion. C'est pas suffisant. Décide de faire. Ah bah c'est la fin de la liste. Ok. Bah là le plan c'était globalement d'essayer par tous les moyens de caser un ulti. Un ulti. Comment dirais-je. Bah d'Obito hein, pour gagner. Ok bon je vais laisser la tableau des scores. On est dans le podium, incroyable. Nous sommes dans le podium. Ah, c'est bizarre, j'ai vu Boosty en deux, mais Where is Teko? Ok. D'accord. J'ai la réponse à mes questions. Ok. Je crois que Landry a arrêté en plein milieu. bon, ouais, très bien. Pas mal pour les charmes d'Affinage 3. Ça va aider à augmenter ma pédo. Par Chlanso qui fait plaisir, hein. Pourquoi pas? Allez, du coup, j'espère que la petite vidéo de la liste vous a plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt.